Salut, salut poto, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire le point sur le patch qui est sorti hier sur Borderlands 3. Il y a du nouveau sur trois points essentiels, donc je voulais te les communiquer. Tu as sans doute remarqué que la porcelaine pipe bombe, tu sais, la grenade qui est complètement pétée, qui one-shotait les boss, a été nerfée. On s'y attendait, c'était un peu logique. Maintenant, elle ne fait plus 15 000 explosions et du coup, bah, tu ne pourras plus one-shotter les boss avec. Ça, c'est le premier gros changement. Deuxième gros changement, tu n'auras plus les jetons de gardien dans le négatif. Donc ça fait plaisir. Donc tu n'auras plus moins 15, moins 30, moins 50. Alors j'ai deux, trois amis sur qui c'est encore le cas, mais je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Je vous ai donné l'astuce hier pour régler le problème en vidéo. Donc pour ceux qui ont encore le problème, essayez. Sinon, normalement, c'est patché, c'est censé marcher. Ok, et dernière chose, ils ont amélioré le distributeur. Comme tu peux le voir, ils ont classé par couleur, par rareté, en fait, au niveau du distributeur. Regarde, tu vois, c'est plus le bordel. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est bien qu'ils l'aient fait. Voilà, c'est les trois gros changements du patch. Alors après, ils ont fait deux, trois petits changements d'interface, amélioration des bugs. Je te mets les liens du patch. Je t'invite à aller le regarder tranquillement chez toi si tu veux plus de détails, mais c'est rien de vital pour toi. Là, c'est les trois informations les plus importantes, donc je voulais t'informer. Autre chose, j'ai pu récupérer mon arme. Donc c'est mon arme préférée. Je pense que je les ai toutes, hein, donc les armes du jeu, en élu même. Donc je voulais te montrer cette arme-là, c'est ma préférée. Donc si tu veux un focus dessus, tu me le dis. Et je vais te faire de toute manière, à partir de maintenant, je pense, ou demain, un focus par jour sur une arme précise, mes armes préférées, et puis les armes du moment aussi, hein, parce qu'il en faut pour tous les goûts. Et voilà, en tout cas là, j'ai découvert une nouvelle astuce pour avoir encore plein de tanks collectionneurs. Donc je pense te faire une vidéo très rapidement sur ça. Si t'es motivé, encore une fois, tu me dis en commentaire. Je pense à Chasseur bien de t'abonner l'Arche. pour ne rien louper. Et puis ben, je te dis à bientôt. Petite vidéo sans prétention pour t'informer. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao, poto. Cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, partage, abonne-toi, coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.